Aventure aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur un tuto sur Group Manager. Donc, qu'est-ce que Group Manager ? Group Manager est un plugin qui est développé par Essential. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un tuto sur ce plugin en 1.9. Voilà, et voilà, en 1.9. Du coup, comme il marche avec Essential et que le Essential, pas des autres Essentials recopiés, voilà. Et du coup, je vous mettrai le lien de la vidéo du YouTuber, enfin la chaîne du YouTuber qui m'a aidé en sorte, qui a codé un fichier pour qu'Essential, en gros, Essential soit en 1.9 parce qu'ils sont arrêtés de le développer en 1.7.9. Et voilà, du coup les préfixes sont comme ça, voilà, c'est un préfixe, vous savez, du coup le grade fondateur, regardez, si je fais slash list, vous voyez bien qu'il y a marqué fondateur, voilà, c'est pour ça qu'il marche uniquement avec Essential et pas d'autres, qu'un Essential, voilà. Du coup, on va tout de suite commencer. Donc en premier, vous devrez faire slash mangad, le grade que vous voulez. Du coup, moi c'est tuto. Voilà, je vais mettre tuto. Ensuite, vous allez faire slash mangad pour mettre le préfixe. Parce que vous, si je fais manuad, manuad mpokora 56, fondateur, n'importe quoi, tuto. Et ben vous pourrez voir que si je fais T, et ben j'ai pas de préfixe. C'est très important de mettre un préfixe. Vous faites slash mangad slash mangad V, le nom du grade, du coup moi c'est tuto, préfixe. Donc par exemple je vais mettre E5 tu et 6. Du coup je vous mettrai dans la description le code couleur, voilà, qui permet de rajouter des couleurs. Voilà, du coup je vais mettre et 5 tu qui rajoute du violet et 6 qui rajoute du doré, voilà, tuto par exemple, voilà. Et maintenant si je fais T, vous voyez que là c'est collé, et si vous voulez pas que ça soit collé, franchement j'ai galéré à trouver, mais j'ai trouvé par moi-même, il vous faut en gros faire espace et mettre un apostrophe, et là ça s'est décollé. Voilà, du coup pour ajouter des permissions, vous faites slash mangad V, mangad P je veux dire, le nom de votre grade, du coup moi c'est tuto, préfixe, je suis bête, essentiel et les commandes. Si je fais TP, TPA, et je vais pas mettre TPR pour vous montrer la preuve que les permissions marchent. Voilà, du coup voilà, la permission TPA, voilà. Du coup j'en ai pas mis beaucoup, mais vous pourrez en mettre beaucoup selon les permissions que vous voulez mettre. Voilà, alors en 1.7.10, dès qu'on pète des blocs, quand on est des hubs, je vais vous montrer ça. Quand on est des hubs et qu'on pète des blocs, il n'y a pas besoin de configurer ça. Parce que en 1.7.10, on a besoin de configurer si le joueur peut build. Mais en 1.9, on n'a pas besoin. Du coup, voilà, moi je vais pas vous montrer. Peut-être que je ferai un tuto en 1.9. En 1.7.10. Voilà. Je suis des hop. Du coup, si je fais slash TPAR. Vous voyez que j'ai pas accès à la commande, mais si je fais slash TPA, j'ai accès à la commande. Ah oui, et pour delete un grade, c'est slash mang del et le nom du grade. Du coup, là, je vais delete tuto. Et là, si je fais un T, vous voyez, j'ai plus le grade. Le grade n'existe plus. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour ce, bye!